Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. N'hésitez pas à nous faire signe si vous n'entendez pas bien, parce que, comme vous l'avez remarqué, on n'a pas de micro. Merci à l'association Débat Transorbonne pour l'organisation de ce débat intitulé « Capitalisme, la fin de l'histoire ». La conférence va se découper en deux parties. Dans un premier temps, les invités ici présents vont débattre pendant une heure environ. Puis, dans un deuxième temps, vous serez invités à leur poser des questions. Alors, capitalisme, la fin de l'histoire. On coupe les portables. Merci. Je disais capitalisme, la fin de l'histoire. Lorsqu'on parle de capitalisme et de l'histoire, on pense à Marx, à Engels, qui voyaient dans l'avènement de la société communiste la fin de l'histoire, dans son sens téléologique. En effet, la disparition de la lutte des classes, qui était son moteur, devait entraîner, selon eux, dans le même temps, la disparition de la société capitaliste de par ses contradictions. A l'inverse, on se souvient également de l'ouvrage de l'américain Francis Fukuyama en 1992, qui affirmait, non sans enthousiasme, que l'effondrement du bloc soviétique et le triomphe de la démocratie libérale et du capitalisme néolibéral signait, ni plus ni moins, la fin de l'histoire. Alors, 10 ans après la crise des subprimes, le capitalisme semble ne s'être jamais aussi bien porté. Peut-on imaginer un mode de production alternatif au capitalisme et un mode de production qui soit crédible? Un tel espoir n'est-il pas condamné à un procès en utopie? Pour en discuter, nous accueillons donc Thomas Guénolé et Thomas Forcher, que ma collègue Anne-Laure a présenté. Alors, je vais commencer par vous poser une question un petit peu basique. Qu'est-ce que le capitalisme? Quelle est votre définition du capitalisme? Pour vous, est-ce que le capitalisme représente bel et bien la fin de l'histoire comme un horizon indépassable, ou plus généralement, est-ce qu'il n'est pas un petit peu présomptueux finalement d'affirmer la fin de l'histoire? Thomas Porcher, je vais vous laisser commencer. Alors merci à tous, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui. Le volume est suffisant? D'accord, merci. Alors je vais commencer par citer Marx, qui disait en fait, mais je commence par ça, qui disait « Le capitalisme, c'est un processus sans sujet ». Alors c'est vrai, quand vous dites « Je suis contre le capitalisme », c'est qui le capitalisme? C'est comme Hollande qui dit « La finance, c'est mon ennemi ». C'est qui la finance derrière? Il faut dénoncer. « Je suis contre la mondialisation ». C'est qui la mondialisation? Il faut dénoncer. Si tu dis « Je suis contre AXA Finance », tu vas dénoncer. AXA Finance, voilà. Donc c'est un processus sans sujet. Il n'y a pas de sujet, on ne sait pas qui est derrière, c'est un mode d'organisation. C'est un mode d'organisation et on est tous intégrés dedans. C'est vrai, on est tous, qu'on le veuille ou non, nous sommes intégrés dedans. Notre mode de vie, de consommation est intégré dedans. J'arrive ici, je commence à faire une vidéo avec mon iPhone, que je vais poster sur un Instagram, je suis dedans complètement. On est tous dedans malheureusement. Alors que je suis très critique du capitalisme comme il fonctionne. Nous sommes dedans, alors on essaie de se retenir, de ne pas être dedans, mais nous sommes malheureusement dedans. Alors c'est un mode d'organisation qui change, parce qu'il y a plusieurs types de capitalisme. C'est-à-dire, il y a un très bon économiste qui s'appelle Bruno Amable, qui a identifié 5 formes de capitalisme. Aujourd'hui, on est dans un capitalisme libéral, depuis les années 80, Thatcher Reagan, mais pendant les 30 glorieuses entre 1950 et 1970, on était plutôt dans un capitalisme administré, avec un état stratège, un état social, etc. Donc il y a plusieurs formes d'organisation, on souffre de capitalisme. Mais il y a quand même un lien commun entre tous ces capitalismes qui est la production de marchandises, la production croissante de marchandises. La première personne qui a dit, qui a paru quand même comme une forme de révolution, qui a dit au XVIIIe siècle, il ne faut pas produire chaque année le même nombre de marchandises, sinon on s'appauvrit. Celui qui a dit ça, c'est Smith. Pendant très longtemps, vous savez, jusqu'au 18e siècle, la croissance était 0%, ou 0,1% quand il y en a un peu de banc. Vous voyez, il fallait vraiment. C'était 0%. Et puis là, Smith arrive, l'économie politique moderne, accumulation des richesses, investissement du profit, production de marchandises.
Et il dit l'économie se base maintenant sur le travail. Parce qu'avant, ça se basait sur tout sauf sur le travail. Ça se basait sur le pillage, le mercantilisme. Tu vois, en Amérique du Sud, tu prends un petit bateau, tu le remplis de pavés espagnols et tu ramènes l'or et tu laisses les pavés en Amérique du Sud. C'était basé vraiment là-dessus, sur le pillage, l'accumulation d'or, le fétichisme de l'or, ou sur un petit peu les physiocrates, la terre. Et la terre, c'était finalement, si tu es né dans un pays où tu as des ressources naturelles en abondance, eh ben, tu vas devenir un pays riche, et si tu n'as pas de ressources naturelles, tu es condamné à l'appauvrissement perpétuel. Donc c'était basé quand même sur la volonté de Dieu, en fait. Si tu es, si tu es le Qatar, là, tu as des ressources abondantes, oui, tu vas être très riche. Et d'ailleurs, quand tu demandes à un Qatari, vous avez les premières réserves de gaz, tu dis merci Dieu, hein, tu ne dis pas autre chose. Hein. Tu ne dis pas merci, nous avons travaillé, tu dis merci Dieu. Parce que c'est de la chance. Et en réalité, l'économie telle qu'elle est aujourd'hui a contredit les physiocrates, puisque vous avez par exemple un pays comme l'Angola qui est extrêmement riche en ressources naturelles, avec un sol en diamant et une mer en pétrole, et qui est le troisième pays plus haut du monde, et à côté vous avez Singapour, un rocher qui n'a rien, qui est une des plus grandes places financières. Smith est arrivé derrière ça et a dit non, les amis, ce n'est pas le fétichisme de l'or, ni les ressources naturelles, c'est le travail. Alors là, tout le monde a dit, moi je travaille. Regardez, je travaille 5 minutes, je vais me promener. Et non, non, c'est pas comme ça le travail. Le travail, on va le mesurer. On va le mesurer par la production de marchandises. C'est pas genre je produis une marchandise, je me repose. Non, c'est pas ça. Tu dois produire des marchandises et tu dois en produire plus chaque année. Sinon, ton pays s'appauvrit parce que la population augmente plus vite que la production. Ouh là là. Et donc là, c'était l'ancêtre de ce que nous connaissons aujourd'hui et que les politiques regardent en frottant dans tous les sens une boule de cristal qui s'appelle la croissance. Voilà. Parce qu'il faut tous les ans de la croissance économique. C'est encore ça. Trois siècles après, on n'a pas évolué. Enfin, bref. C'est vrai, trois siècles après, on est encore là-dessus. Enfin, donc voilà. Donc, le capitalisme, c'est la propriété privée des biens de production et l'accumulation de la production du capital et de la création de marchandises. Quel que soit le système. Système plus ou moins administré, type état social, état stratège, une économie un peu plus mixte avec un service public plus fort, mais au final, il faut produire de manière linéaire des marchandises, et système aujourd'hui libéral, où on détruit l'état, on détricote l'état social dans tous les sens, mais le but au final, c'est de produire aussi plus de marchandises, d'avoir plus de croissance. Donc là, c'est vraiment le point commun. Alors ce qui est impressionnant avec ce capitalisme, c'est qu'il recycle extrêmement bien la critique du système. Vous voyez bien, aujourd'hui on peut être capitaliste et en même temps lutter contre le réchauffement climatique. On peut être dans le CAC 40 et être en même temps un premier financeur de la COP 21, c'est super. Donc toutes les critiques, il les recycle très très bien. Donc c'est vrai, il les recycle très bien. Alors, il les recycle très bien. Il a une plasticité énorme, on l'a vu avec la crise, hein, parce que la crise de 2008, c'est la crise du capitalisme libéral. Et on est encore plus dedans aujourd'hui, puisqu'on a mis 10 ans après Emmanuel Macron au pouvoir. C'est vachement bien ça. Donc on est vraiment dedans. Voilà, ça c'est la première des choses. Et surtout, pour répondre aux critiques, ils trouvent souvent rien de mieux que de créer des marchés complémentaires. Alors ça c'est aussi génial. C'est-à-dire que la pollution aujourd'hui c'est un grand problème. C'est un problème du capitalisme. Parce qu'on crée beaucoup de marchandises, donc on pollue. Donc il faut créer un marché des droits à polluer. Donc le premier marché ne fonctionne pas. La meilleure idée est de créer un marché complémentaire qui complète le premier marché qui ne fonctionne pas. Mais comme le deuxième marché va être créé par des humains et qu'il y a un rapport de force, il risque aussi de ne pas fonctionner. Donc il faudra peut-être créer un troisième marché pour faire mieux fonctionner le deuxième marché qui doit faire mieux fonctionner le premier marché. Donc on n'en sort jamais, vous avez bien compris. Donc ça c'est impressionnant. Donc plasticité, création de marché pour combler le premier marché. Donc on n'attaque jamais le cœur du système. Et la seule, pour moi, chose qui pourrait arrêter ce capitalisme aujourd'hui, et qui ne semble pas l'arrêter non plus, c'est, comme je l'ai dit, ce sont les forces de la nature. Alors, ça fait toujours un peu fou de dire ça. C'est-à-dire que là, l'opposition... Non, mais c'est vrai que ça fait un peu fou. Il y a eu un moment, parce que c'est un cadre, vous savez, le mode de fonctionnement du capitalisme qui reste linéaire, c'est un cadre qui est formé par des rapports de force. À l'après-guerre, le Parti communiste était quand même un pouvoir politique très fort en France. Les grands intellectuels qui étaient ici même regardaient vers l'URSS en pensant que c'était le bonheur absolu. Et donc là, les gens se sont dit, oulala, il faut un capitalisme sympathique. C'est-à-dire ça, un capitalisme. Donc il faut que, voilà, on investisse dans les secteurs publics, que les salaires augmentent, que les gains de productivité profitent plus aux 90% qu'aux 1%. Et d'ailleurs, dans cette période-là, les 90% se sont plus enrichis que les 1% qui se sont quand même enrichis. Et puis après, chute du mur de Berlin, de l'URSS et de l'URSS,
Scholl, par socialiste le fait de ne voir rien, le parti socialiste converti à l'économie de marché en mettant des gens très sympathiques, des hommes d'affaires, ministres, enfin bref, parce que aujourd'hui ce monsieur est très malade. Et donc voilà nous en sommes. Non, mais voilà où nous en sommes. Et là, le vrai problème de ça, c'est que là, c'est créer un nouveau mode de fonctionnement du capitalisme, basé sur le capitalisme libéral, qui a pour but aujourd'hui de détricoter finalement les acquis sociaux qui ont été faits dans cette première phase du capitalisme d'après-guerre. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un détricotage de ce truc-là, et en face, à part mon ami Thomas Désolé et certaines personnes, on est quand même très peu nombreux, à part vous, hein, peut-être. En face, ils sont quand même très très forts. Ils ont résisté à la crise, ils résistent à plein de choses, et puis ils nous envoient chaque jour des missiles, c'est très dur de résister. Donc il y a cette chose-là. Et l'autre chose qui pourrait l'arrêter, c'est clairement quand même des limites en termes environnementaux. Alors, l'environnement ne va pas se déchaîner et frapper les méchants comme dans le film américain, là. C'est-à-dire les pays, c'est pas sympa, ça frappe que les pays du Nord, tous les deux, enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, le jour d'après, pardon. Le jour d'après, ça va pas finir comme ça, vous avez la glace qui poursuit. Non, ça ne se finira pas comme ça. Mais clairement, aujourd'hui, comme le mode de vie américain reste l'exemple du mode de vie qu'il faut suivre pour l'ensemble des pays, avec des pays émergents et des taux démographiques qui sont de plus en plus importants. Vous savez que si tout le monde vit comme un Américain, aujourd'hui il faudrait 5 planètes. Les Américains consomment 20 millions de barils, 18 millions de barils de pétrole par jour, ils ont produit 50 millions. Bah, vous voyez, on produit 90 millions de barils. Si vous avez 7 milliards d'habitants qui consomment autant que les Américains, voilà, c'est un désastre en termes de ressources naturelles et aussi en termes d'écologie. Donc c'est les limites que l'on peut porter. Or aujourd'hui, rien ne nous assure que voilà, on n'arrivera pas au bout. Vous avez vu aujourd'hui le rapport du GIEC, qui compile pratiquement 6000 études. Chaque fois, ça avance. Au début, c'était 2100. Après, ça a été 2060. Là, ils se disent, bon, d'ici 2030, il faut faire attention. Et vous regardez la courbe de croissance du PIB, qui reste, dans toutes les prévisions, linéaire, comme ça, qui augmente à l'infini. Hein. Vous savez que si on a 1% de croissance, tous les siècles, ça vous fait une multiplication de la production qui est énorme. Vous voyez et la population qui augmente avec. Donc, vous avez une courbe comme ça. Et vous avez cette courbe qui est corrélée aux émissions de CO2, c'est-à-dire la pollution, qui est corrélée de cette façon-là. Et là, le rapport qui a été rendu par la COP, qui a été rendu notamment à François Hollande, qui a été fait par Canfin, etc., et qui contraint l'évolution des émissions de CO2 à une signature de la COP21, montre que la croissance doit augmenter tout de suite, parce qu'il ne faut jamais remettre en cause le système. Et vous avez les émissions de CO2 qui doivent faire. Et ce tournant doit s'opérer dans les 3 ans à venir. Donc, là, moi, je commence tous mes cours en montrant ça à mes élèves, et ils me répondent, mais monsieur, nous sommes foutus. Pour ça. Une fois, j'étais avec 5 experts, pas du GIEC, des grands économistes, des économistes d'énergie, et à la fin de la conférence, le modérateur nous a posé une question. Pensez-vous que l'accord de la COP21 va être réalisé? Ben, ils ont dit tous non. Dans l'état actuel des choses, non. Non. Alors, il y en a une qui a dit oui, il faut garder un peu d'espoir. Donc, elle a dit oui, mais tout le monde a dit non. Donc, là, clairement, le capitalisme, quand vous regardez les courbes, c'est bien. Donc, les meurtriers font une grosse partie de la population au jour le jour. Les pays où il y a 1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à la nourriture, mais on produit de quoi nourrir 11 milliards d'individus sur Terre. On produit de quoi nourrir 11 milliards d'individus. Nous sommes 7 milliards, donc il y en a 4 milliards qui n'existent pas, mais bon. Mais il y en a un plus sur les 7 milliards, 1 milliard qui n'a pas accès à la nourriture. Donc c'est super, c'est bien fait. Donc c'est encore. Enfin, vous imaginez dans le blé, là, tous les ans, oui, produisez beaucoup plus de croissance, mais à quoi ça sert? On ne sait pas, parce que ça va la poubelle. Bon, bref. Mais voilà où nous en sommes. La production linéaire de marchandises, aujourd'hui, elle exclut quand même une partie de la population qui souffre. Et sur le long terme, se pose une vraie question. Donc là, il y a ce qu'on appelle un grand virage à faire. Et c'est très difficile parce que nous sommes tous impliqués là-dedans. Nos modes de production et de consommation sont impliqués là-dedans. Et franchement, le changement ne pourra pas venir que du consommateur. Il doit vraiment attaquer le cœur du système. Et le cœur du système, pour l'attaquer, ben, il faut être dans le combat. Merci beaucoup. Merci. Thomas Guénolé, est-ce que vous partagez ce constat? Oui. C'est pas vraiment une surprise. Gardons un peu d'espoir. C'est pas vraiment une surprise. Je parle de la façon de présenter le capitalisme, la perspective historique, etc. Mais je vais compléter avec une approche qui est différente,
pas divergente, elle est différente, c'est simplement que je prends le problème par un autre. Donc en fait, après avoir écouté Aramis, maintenant c'est le tour d'Athos. Précision, avant de commencer, je ne sais pas s'il y a des... Normalement, il doit y avoir quand même quelques-uns d'entre vous qui sont étudiants en Sorbonne, ici même. Et je voudrais, avant toute chose, vous dire, au moment de la réforme Parcoursup, ce que vous avez fait, une partie d'entre vous, en bloquant la Sorbonne, qui n'est pas n'importe quel établissement dans l'histoire des mouvements étudiants de France, je voudrais vous dire qu'on a été très nombreux, moi le premier, à être fiers de vous, et à être vraiment, ça nous a fait vraiment chaud au cœur de voir des gens plus jeunes que nous faire un truc aussi gonflé aujourd'hui. Et donc, bravo, et vraiment, là c'est plus personnel, vraiment merci. Merci. Fin de la parole. Et je vous promets qu'on aura d'autres combats ensemble, vous avez ma parole. Après, je reviens à notre sujet. Qu'est-ce que le capitalisme ? Je parle du capitalisme actuel, le capitalisme globalisé. C'est la marchandisation de nos vies, à tous là, de notre temps, de nos biens communs et de la nature, essentiellement. C'est un système d'exploitation, appelons un moment les choses par leur nom, c'est un système d'exploitation des gens qui travaillent par les gens qui détiennent du capital, pour faire du profit sur le travail des produits cités, grâce à la différence entre combien vous êtes payé et combien on vend ce que vous avez produit, tout simplement. C'est de là que le profit vient. Hein. Et d'autre part, pour faire du profit sur la consommation des mêmes, plus ceux qui sont au chômage, etc., par donc les achats de ce qui a été produit. C'est aussi un système de prédation des ressources, ça consiste assez simplement à tout transformer en marchandises, c'est-à-dire les terres cultivables, les minerais, l'eau, les services publics, etc. Tout ce que je viens de vous citer, le fait que ce soit des marchandises ne va pas de soi. À une époque, tu parlais tout à l'heure de la religion, à une époque, le fait de considérer le temps comme une marchandise était un péché. Mais on pourrait dire aussi qu'à une époque, l'idée de considérer l'eau, il n'y a pas si longtemps, l'idée de considérer l'eau comme quelque chose qu'on pourrait faire sous gestion privée, était considérée comme une aberration, etc., etc. Alors, au sens plus politique, le capitalisme est le gouvernement par l'économie d'une minorité au profit d'une minorité et au détriment du peuple, c'est-à-dire, définition du peuple, soit dit en passant, tous les autres, mais pas eux. Ils ne font pas partie du peuple puisque ce sont des dominants en sociologie politique. Alors, c'est donc une oligarchie, au sens d'Aristote. Alors, les composantes principales, c'est quoi ? Vous avez les oligarques, c'est-à-dire une infime minorité d'ultra-riches. Leur fortune se fait sur le dos des autres. Hein. Je rappelle, s'il y a des éditorialistes de BFM TV dans la salle, que ce n'est pas François Pinault qui fait vivre des milliers de gens, ce sont des milliers de gens qui font vivre François Pinault. Non mais, comme ça vous le saurez. Vous avez les grandes firmes qui sont des mastodontes dans l'économie capitaliste, des mastodontes hein, qui prennent une rente sur des oligopoles. Alors les oligopoles, c'est comme l'oligarchie, mais sur un marché, vous avez trois ou quatre acteurs qui se le partagent, qui s'entendent sur les prix, etc. C'est la téléphonie, c'est les systèmes bancaires, c'est plein de choses d'ailleurs, les assurances. Bon, on pourrait les lister, il y en a beaucoup en réalité, secteur par secteur. Et en plus de s'installer en situation de rente, ce qui va arriver à la SNCF, enfin la SNCF va être mise en concurrence, ils vont finir à quatre gros acteurs et ce sera un oligopole comme d'habitude. Et donc, ils exploitent, ces grandes firmes exploitent des petites entreprises et des auto-exploités. Par exemple Uber, par exemple des sous-traitants, par exemple des auto-entrepreneurs, etc., etc. Alors, dans les composantes de système, vous avez l'argent magique. Alors l'argent magique c'est quoi ? C'est l'argent magique créé par un système mondial de paris en ligne. Je ne vais pas détailler, c'est un peu technique, ça s'appelle les produits dérivés, qui à l'origine étaient des instruments de couverture de risque dans l'économie réelle, mais qui sont devenus un volume de placement énorme consistant à prendre des paris sur n'importe quoi qui peut se passer d'économique dans l'avenir. Le sort des récoltes, le sort des couvertures sur les récoltes, ce que vous voulez. Les futures, les trucs, les autres. Bon. Ça va baisser, non, ça va monter, etc. Bon. Et donc, telle dette va s'aggraver, je parie là-dessus, tiens, je viens de l'aggraver en tant que banque, enfin bon, ce genre de choses. Et donc, vous avez cet argent magique, vous avez la finance, alors la finance, soyons précis, c'est-à-dire les grandes banques et les grandes compagnies d'assurance, elles servent à fournir de l'argent aux capitalistes pour accélérer le rythme de ce système-là.
et elles servent aussi à asservir les autres par la dette odieuse, que ce soit des États en difficulté, ou que ce soit, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des pré-étudiants dans la salle, ou il y a des gens qui ont des crédits de consommation, pour beaucoup de gens des crédits de survie en réalité, et donc ce sont différentes formes de dette odieuse. Et d'où vient l'argent que mettent ces grandes banques et ces grandes compagnies d'assurance? Bah, de la dette, mais la dette privée, ce n'est pas grave. Celle-là, je le dis, je pique cette réflexion à Thomas, en fait, c'est lui qui m'avait fait remarquer ça. La dette publique est à des montants astronomiques, paraît-il, c'est très grave, en le mettant en ratio du PIB, ce qui n'a aucun sens, mais je ne veux pas être technique. Et pendant ce temps-là, la dette privée a un montant bien plus colossal, quelle que soit la façon de la compter, mais ça, on s'en fout, ça, c'est pas grave, ça, c'est de la bonne gestion. Et ça sert donc à financer l'accélération et l'intensification de ce système. Vous avez la publicité, je ne sais pas pourquoi la plupart des économistes n'en a rien à cirer de la publicité. Alors que la publicité est une propagande de bourrage de crâne pour vous donner envie, par un truc qui est quand même assez proche du viol de cerveau, pour vous donner envie d'acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Dans deux secondes, vous allez flipper. On prend le pari, c'est bon, vous êtes tous témoins. Alors, il y a dans le cerveau humain un machin qui s'appelle le cortex préfrontal, qui n'existe pas de manière mature à la naissance, et qui arrive à maturité vers 7-8 ans, et qui vous permet de filtrer entre les envies qui naissent dans votre cerveau et le fait de les exprimer ou pas. Et donc ce qu'on appelle l'âge de raison, c'est en réalité le moment où vous avez ce mécanisme d'autocensure consciente par rapport à l'expression de vos envies. Tant que vous n'avez pas ça, n'importe quelle envie suscitée en vous ne sera pas réfrénée, et donc vous allez exiger sans arrêt ceci, cela. Et donc maintenant, vous savez pourquoi, quand vous étiez gamin, tous sans exception, vous avez pourri vos parents à leur exiger des trucs, tel jouet, tel truc, dont vous... Pourquoi cette envie obsédante vous a tous pris, et moi aussi, non? Pourquoi? Parce que ça vous est rentré devant le crâne à force d'être placé devant la télé avec la publicité dans le poste téléviseur. C'est un viol de votre cerveau. Ça vous arrive à tous, ça m'est arrivé aussi. Le matraquage publicitaire, ça marche aussi sur des adultes fatigués. Vous voyez le problème? Et donc ça rentre comme dans du beurre. Si la publicité ne marchait pas en tant que propagande pour vous pousser à acheter des choses dont vous n'avez pas envie, il n'y aurait pas un fric pareil claqué dans la publicité, soyons logiques. Et donc, encore une fois, la propagande, c'est mal quand c'est Goebbels, mais c'est bien quand ça sert à intensifier le consumérisme jusqu'à vous ayez la planète. Il faut réfléchir deux secondes. Vous avez la nomenclatura, ce sont les hauts fonctionnaires et les cadres dirigeants des grandes entreprises qui viennent des mêmes écoles pour capitalisme, avec un entre-soi de classe dominante, c'est Sciences Po, c'est HEC, c'est la LSI, etc., etc. Avec de temps en temps un ou deux enseignants qui sont sur une ligne alternative, c'est un peu c'est le sel dans le plat, mais il faut traiter le sel, hein, bien sûr. Jacques Généreux, que j'ai eu en économie à Sciences Po la première année, hein, ensuite, la deuxième année c'est Strauss-Kahn, il faut arrêter l'économie. Non mais c'est vrai, à mon époque, quand moi j'étais étudiant à Sciences Po, le macronisme, on appelait ça le strauss-kahnisme, c'était la même chose. C'est pour atteindre ici insérer un objectif de gauche, nous devons ici insérer une mesure de droite. C'est simple, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que vous le savez, voilà, pour que tout le monde ait un emploi, pour que tout le monde soit inséré, il faut absolument durcir le contrôle des chômeurs. C'est ce genre de vocabulaire. Je passe sur les différentes catégories, mais vous avez compris le schéma d'ensemble, c'est pour pouvoir vous décrire si on peut défendre le capitalisme. S'il y a des questions là-dessus plus tard, je reviendrai sur les différentes catégories, la nomenclatura du capitalisme, ces choses comme ça. Le fait que les épargnants sont achetés par le fait d'être rémunérés sur leur épargne pour coopérer avec ce système, les classes moyennes ou supérieures par leur confort, et donc ça maintient la stabilité du système. Même chose pour le filet de sécurité qui permet à des milliards de gens de juste survivre, ça sert principalement à ce qu'ils ne se soulèvent pas. Donc on leur donne juste assez à bouffer. Ça s'appelle le RSA. Pardon. Peut-on défendre le capitalisme? Non. Je vais vous donner des points assez précis. Est-ce que les millions de morts des goulags rendent indéfendable le bilan de l'Union soviétique, quels qu'aient pu être les aspects positifs de l'Union soviétique par ailleurs? Oui. Bah oui, si ça coûte ça, non merci. Moi je pense. Je pense que c'est assez clair. Eh bien on va compter les morts. Les morts de faim par la répartition des ressources. Ça a été cité tout à l'heure par Thomas. Je ne sais pas ce que tu fais. Non mais c'est pas le bon. Nous sommes 7 milliards sur Terre, il y a assez à bouffer pour 12 milliards, donc il y a assez de nourriture pour tout le monde, donc les morts de faim ne sont pas des morts de manque de nourriture sur Terre. Il y a assez à bouffer pour tout le monde. 36 millions de personnes meurent de faim par an. Donc en 2 ans, vous avez l'équivalent de la population entière française qui meurt de faim. 3 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de la faim chaque année. Un être humain sur 9, ça a été évoqué tout à l'heure,
un peu... Mais en fait, c'est ça. Un être humain sur 9 souffre de la faim, avant de mourir éventuellement. Les morts de maladies soignables, c'est-à-dire qu'on peut les soigner, mais les gens en meurent quand même. C'est donc un problème, non pas de maladie, mais un problème d'accès aux soins et donc de répartition des ressources, qui vient du capitalisme, ça ne vient pas d'ailleurs. 1,5 million de morts par an par les différentes formes de maladies diarrhéiques. Donc, alors, rendez-vous compte, pour nous, c'est un moment embarrassant et deux comprimés. Mais au global, c'est 1,5 million de morts par an, parce que ces deux comprimés ordinaires ne sont pas accessibles pour un certain nombre de gens du fait du fonctionnement du capitalisme. Ce n'est pas accidentel. 3 millions de morts par an par les maladies respiratoires soignables. Elles sont soignables. 1,3 million de morts par an de la tuberculose qu'on peut traiter. Et près d'un demi-million de morts par an du paludisme qu'on peut traiter. Donc je pourrais m'arrêter là. Ça fait déjà plus de 40 millions de morts par an. Je dois conclure ? Si possible. Trois points alors. Les guerres de pillage des ressources. Là, vous avez sans doute tous des smartphones dans votre poche. Le boom des smartphones coïncide avec l'intensification des guerres du Congo, qui sont des guerres de pillage des minerais dont on a besoin pour les smartphones. Les guerres du Congo depuis 1997, focalisées sur le pillage des minerais, c'est dingue, hein, les conflits soi-disant ethniques qui se déroulent sur des endroits où il y a des minerais indispensables donc, à la fabrication de smartphones. Ça fait 5 millions de morts déjà et ça continue. L'esclavage moderne, Slavery Report, on est à 40 millions d'esclaves à l'heure actuelle, sans parler du quasi-esclavage qui n'est pas comptabilisé comme tel, par exemple au Bangladesh, dans, ou ailleurs, dans les ateliers de la sueur. Et là, ça vous donne l'effondrement du Rana Plaza, et qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Mango, Auchan, Benetton, etc. Benetton, vous savez, United Colors, c'est l'esclavage. Bien. Les réfugiés climatiques, ça a été évoqué tout à l'heure par Thomas. Rien qu'en 2016, on est à 24 millions de réfugiés climatiques, donc un jour on aura des réfugiés climatiques, réveillez-vous les gars, ça a commencé. Et selon la Banque mondiale, il y en aura 140 millions d'ici 2050, et moi je pense, mais ça n'engage que moi, que c'est une estimation basse, sans parler, parce que j'ajouterai ceci, les morts par la pollution de l'air, pollution atmosphérique ou pollution d'air à domicile, c'est 8 millions de morts par an. Donc oui, ça me semble à peu près évident que non, on ne peut pas défendre le capitalisme, et oui, il faut changer de système. Merci beaucoup, Thomas. Vous êtes donc tous les deux plutôt d'accord sur le fait que le capitalisme aujourd'hui mène à une situation désastreuse, qu'il y a urgence. Mais alors la question, c'est comment on remédie à cette urgence ? Selon vous, est-ce qu'il faut réformer le capitalisme ? Est-ce que réformer le capitalisme, ça peut suffire ? Ou est-ce que c'est définitivement une cause perdue ? Et dans ce cas, si c'est une cause perdue, comment on va penser l'après-capitalisme ? À partir de quels modèles économiques et sociaux ? Thomas Blanchet ? Oui, c'est une bonne question, très difficile. Non, ce que je voulais ajouter sur ce qu'elle... Après, je réponds à la question. Et Thomas, il avait raison. Dans la démonstration, il y a quelque chose que je n'avais pas dit, et il l'a bien soulevé, il a entièrement raison. C'est que vraiment, dans le système du capitalisme, la capitaliste, c'est ce qu'on a dit, vous avez toujours une partie prenante qui est écrasée. Qui est toujours écrasée. Smith le disait hein, à l'époque. Je veux dire, le mec, ceux qui sont la classe sociale qui est centrale dans le capitalisme, c'est le capitaliste. Le rentier, il faut qu'il devienne capitaliste et le travailleur, il faut qu'il soit écrasé. Écrasé, alors pas trop non plus. C'est là qu'il a mis son concept de salaire de subsistance. Parce qu'au début, les mecs, payaient. Bon, mais tu es un travailleur, tu n'as que ta force de travail à offrir. Comment tu fais ? Tu fais comme dans les pays pauvres. Tu viens, tu dis que je veux manger, paye-moi. Tu le payes $1, $2 par jour, tu le formes, le mets au bout d'une semaine, il revient, il est mal au point, il finit par manger. Merde, je l'ai formé, j'ai mort. Petit à petit, tu augmentes le salaire, $2, $3, et à un moment, tu arrives à un salaire où le mec, il revient tous les jours. Et tu dis, ça, c'est le salaire de subsistance. Et ce salaire de subsistance, il permet au travailleur de subvenir à ses besoins, à lui et aussi à son enfant. Parce qu'il faut renouveler la classe. C'est ce qu'ils disent, tu vois. Ils disent, mais il ne faut pas lui donner plus, parce que si tu lui donnes plus, il va commencer à épargner et il pourra devenir capitaliste un jour. Et donc tu tues la classe sociale de la force du travail. Donc dans le capitalisme, tu as toujours une partie prenante qui est écrabouillée, ça c'est clair. Aujourd'hui, elle est écrabouillée en France, mais elle a beaucoup été écrabouillée, délocalisée, et elle est écrabouillée encore plus dans les pays en développement, comme tu l'as dit.
où là, c'est très loin, on ne voit plus, et bon, voilà, on se touche le nez en disant ici, oui, c'est super. Enfin, donc c'est vrai, sur une grosse partie de production, c'est ce qui se passe. T'as remarqué qu'on ne fait pas le lien souvent. C'est, non, c'est pas le lien autoritaire et brutal, oui, mais non, non. On fait pas les exportations, c'est nous qui sommes les autres pays. Exactement, on ne fait pas le lien, et en plus, sur les questions climatiques qui sont reliées à ça, on a plus souvent les pays vers les gros pollueurs, mais ce sont nos multinationales. Enfin, la Chine, c'est l'atelier du monde. C'est les multinationales européennes et américaines qui produisent là-bas et qui exportent leurs biens vers les, vers les pays consommateurs que nous sommes. Et donc après, nous, on a des faibles émissions, plus faibles, mais ces plus faibles émissions ne sont pas dues aux efforts que l'on a fait, elles sont dues à la délocalisation de nos productions dans ces pays pauvres. C'est ça qui est important. Et là, il y a une véritable hypocrisie dans les négociations climatiques. Voilà. Sur le combat du capitalisme, hein, c'est extrêmement difficile, comme je dis, parce qu'on est imbriqué dedans. On est imbriqué. Enfin, si vous me dites là, mon téléphone, j'ai vu un avocat. Nous sommes imbriqués, mais complètement là-dedans. Et notre marge de manœuvre est... Non, mais c'est vrai, notre marge de manœuvre est extrêmement faible. Elle est nécessaire. Je fais attention au plastique, tout ça c'est nécessaire. Je dénonce, tout ça c'est nécessaire. Mais en instance, la marge de manœuvre est extrêmement faible. Et c'est pour ça aujourd'hui que tout est fait pour faire croire au consommateur que c'est lui qui doit faire l'ajustement. Et vous imaginez, vous avez une journée de travail, vous rentrez de votre boulot, vous êtes mort, épuisé, vous allez chercher votre fils à la crèche, peut-être pas sans crèche, peut-être pas sans crèche, vous avez 1000 balles par mois, vous êtes mort, là, vous allez faire les courses, et là, tu dois prendre chaque élément, alors là, ce que vous faites en plastique, c'est dégueulasse, et bien c'est un grand groupe, tu lis la codification E machin truc muche qui veut dire qu'il y a je ne sais pas quel perturbateur endocrinien. Enfin, c'est horrible. L'ajustement par le consommateur, il est extrêmement faible. Et c'est pour ça qu'on fait croire que oui, c'est le consommateur qui doit se prendre en main, éteint ton robinet qui coule, attention, des cours de développement durable en première. Parce qu'il ne faut pas attaquer le cœur du système. Et le cœur du système, il est tenu par les multinationales. Ça, c'est la première chose. Ça, il faut être clair là-dessus. D'accord ? Il faut être clair là-dessus. On vous dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire à part ne pas consommer ? Il faut dénoncer, il faut attaquer. Enfin, vous êtes des étudiants, voilà, vous êtes en mesure de le faire. Là, les étudiants. Ils l'ont prouvé récemment. Voilà, ils l'ont prouvé récemment. Pas de problème. Mais souvent, et ça, il faut vraiment. Enfin, moi, je pense que ça part souvent des étudiants, parce que vous avez le temps, vous n'êtes pas des. Thomas, c'est parti par là. Vous n'êtes pas des apprentis boulangers, comme on le voit, il y a un petit boulanger de 15 ans, il se lève déjà à 5 ans. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes des gens qui. Voilà, vous avez du temps et vous devez refaire le monde, c'est vous. Et moi, je compte sur vous, parce que je pense que la Sorbonne, pour le coup, moi, je fais toutes les études à la Sorbonne, et à la fac, je sais qu'ici, on a une capacité à justement être un peu rebelle. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres endroits. J'avais fait une conf à Sciences Po, il y avait une jeune fille qui s'était levée, c'était sur justement la question climatique, qui faisait son stage chez Total. On est compte. Je vais passer dans mon livre. Et moi, j'étais très étonné parce qu'elle était à Sciences Po. Donc, elle était ce qu'on appelle, en économie, un terme anglais, une market maker. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, market maker, c'est-à-dire que c'est elle qui peut insuffler un changement. Elle a toutes les forces pour le faire. La nana, elle fait un stage chez Total, pourquoi pas ? Difficile de trouver des stages aujourd'hui, pourquoi pas ? Mais là, elle prend la parole devant tout le monde, et elle me dit, oui, monsieur, vous savez, c'est bien beau ce que vous dites, mais il y a des questions de rentabilité derrière. Alors moi, je dis, ok, très bien, mais si toi, tu penses à 23 ans, qu'est-ce que tu vas penser à 40, 50 ans ? Enfin, sans être méchant. Voilà. Si tu commences comme ça, on est mal barré. C'est-à-dire que là, tu as une position de classe. Tu vois, direct, je suis du bon côté, donc Laurent, hein, monsieur, vous êtes... Voilà. Alors que non, c'est les étudiants, les collégiens de Sorbonne, bien, qui doivent pousser le changement. Maintenant, il y a deux niveaux de combat. C'est ça qui est très difficile. Parce qu'il y a le combat ici, on est entre gens qui font des études, alors on se sent, oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, le monde... Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai fait des débats avec des gens comme Edmond, on parle, oui, c'est super, là, c'est génial. Mais après, vous avez le combat aujourd'hui de destruction, vraiment, des acquis du capitalisme un peu plus sympathique, pas sympathique que nous avions avant. Quand vous allez voir des ouvriers, bon, il y a beaucoup d'ouvriers qui vont demander de venir sur les raffineries, etc. Si vous leur sortez le grand discours, oui, fin du capitalisme, autogestion, ZAD, toutes ces conneries, le mec qui me regarde dit non, moi je veux juste conserver mon emploi, parce que je dois payer ma maison, parce que je dois payer ma voiture, mon essence, l'école. Et là, vous ne pouvez pas lui tenir le discours. Donc là, vous avez un véritable combat pour l'empêcher, pour empêcher la destruction de son travail, de son acquis social. Et là, c'est un combat urgent, vraiment urgent, sans marge de manœuvre. Et là, vous êtes obligé d'être sur le comment on maintient le système plutôt convenable tel qu'il est. C'est ça qui n'est pas évident. Et l'autre côté, vous avez après ce combat de récits différents pour vraiment changer la machine. Parce qu'on pourra
protéger ces gens, manifester, faire des blocages comme Thomas sait bien les faire, se battre contre des pics comme Thomas sait bien les faire. On pourra faire tout ça. Premier gaz lacrymo, j'avais 18 ans. On pourra faire tout ça. Je suis militaire. Oui, mais on pourra faire tout ça, on ne préservera qu'un système qui pollue, qui est inégalitaire, etc. Mais il est nécessaire parfois d'être sur le court terme comme ça. Mais sur le long terme, il faut vraiment réfléchir à un changement radical qui, pour ma part, me semble extrêmement compliqué. Voilà, parce que c'est un rapport de force qu'il faut établir. On ne peut pas, enfin, je veux dire, je finirai là-dessus, l'erreur fatale pour moi, c'est de vouloir faire le système à côté du système. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça maintenant. Genre, un village, on croit qu'il faut une topless, les mecs qui disent, c'est la plage de Leonardo DiCaprio, ils vivent dans leur coin, alors là, leur coin, vraiment, c'est zéro carbone, ils mangent leur potager, c'est super, mais en attendant, le gouvernement anglais, il signe des contrats de malades sur le gaz de schiste, il fait tout pour tuer les réglementations sur l'environnement à Bruxelles, c'est ça. Et là, à côté, vous faites votre paradis, mais de l'autre côté, c'est encore pire. C'est pas du tout comme ça, moi, je pense qu'il faut faire, même si les gens, ça les rassure. On doit être dans le combat. Et dans le combat, c'est quoi? On doit être à tous les niveaux, dans les institutions. Dans la représentation de l'ONL, dans les médias, dans les bouquins, dans la prise de parole, dans l'organisation de ce type de conférence, partout. On doit être partout. Parce que là, en face de nous, on a fait des mecs qui sont bien en place. Donc on doit vraiment être partout. Donc le combat, il est très important. Merci beaucoup. Et c'est peut-être là qu'on a notre point de... divergence, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition ou est-ce que vous pensez qu'un monde complètement alternatif et complètement à côté, une solution vraiment différente, alors, est possible? Moi, dans ce que j'ai entendu de ce que dit Thomas, l'autre Thomas, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas changer de système, il a dit qu'il ne fallait pas faire son utopie à petite échelle à côté du système capitaliste qui est en train de détruire la planète et détruire l'écosystème, je vais y revenir, et se faisant de foutre en l'air les conditions de survie de l'humanité. Et donc, non, j'ai des points de désaccord par rapport à ce qui a été dit, mais c'est sur d'autres points. D'abord, sur l'idée qui revient aux étudiants de l'enseignement supérieur d'impulser le changement, je ne suis pas d'accord, parce que je suis d'accord avec la suite de ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on doit s'y mettre tous, et j'attire votre attention sur le danger de penser que seuls les gens qui ont accès à l'enseignement supérieur peuvent comprendre les enjeux. C'est faux. Non, je ne dis pas que tu l'as dit. Je dis que c'est un danger qu'on peut, même en pensant à bien, on peut facilement tomber là-dedans, et que celui ici qui n'a jamais pensé, en fait le peuple est trop con, me jette la première pierre. Allez-y. Ok. Tout le monde a pensé au moins une fois que le problème, c'est que les gens sont trop cons. Alors, outre le fait que nous sommes tous le con de quelqu'un, hein, c'est connu, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas confondre la maîtrise des concepts ou la connaissance des concepts avec le fait d'être les seuls capables de les piger vite. Raison pour laquelle il y a un boulot de diffusion des éléments de la manière la plus accessible possible. C'est pour ça que tu écris des bouquins et que tu fais des conférences, c'est pour ça que je fais pareil, c'est pour ça que j'ai proposé à la France Insoumise de faire l'école de la France Insoumise et que tous les contenus sont en accès public sur le web. C'est pour qu'un maximum de gens qui n'ont pas nécessairement l'habitude de ce genre de contenu puissent le consulter facilement, etc. etc. Et je note qu'il y a un véritable appétit, il y a une faim pour le coup de ce type de contenu, d'explication, quel que soit le milieu social. Donc j'insiste là-dessus, tu l'avais dit aussi. Voilà. Donc, le nom à la Constitution, vous avez vu des gens lire ce texte imbitable dans le métro, j'ai vu ça de mes yeux. Alors que le texte, il faut se le farcir. Bon, c'est d'ailleurs fait exprès. Alors, brièvement sur le point, faut-il changer de système? L'Anthropocène est la nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes entrés, et sa définition, c'est que les caractéristiques de l'ère géologique où nous sommes, l'évolution du climat, etc., sont le produit de l'activité humaine principalement, l'Anthropocène. Alors, vous savez ce qui distingue le passage dans une nouvelle ère géologique, généralement? Une extinction massive des espèces, c'est comme ça qu'on les borne. Et pourquoi on parle d'Anthropocène? Parce que la sixième extinction de masse des espèces a commencé. Du fait de quoi? Activité humaine, capitaliste en l'occurrence, à l'heure où on parle,
montée en flèche des émissions de gaz à effet de serre, et puis la fonte d'une croûte en Sibérie qui s'appelle le pergélisol, et qui va donc dégager encore plus de trucs qui étaient stockés. Donc s'il y a un effet cumulatif de dingue, c'est un cauchemar. Donc changement climatique, donc sixième extinction mondiale des espèces. La planète n'est pas en danger, c'est la sixième. Il y en a eu cinq avant. La planète n'est pas en danger, elle fera un reboot, elle a l'habitude. Et donc il y aura de la vie sur Terre après, sans nous. Sans nous. Si on continue avec le capitalisme, puisque le capitalisme, je vous disais tout à l'heure, je crois aussi qu'il a dit, est un système de production, de consommation, de surproduction, de surconsommation, de culte, pas du veau d'or, mais en l'occurrence de la croissance. Croissance, ça veut dire quelque chose. Bien. Et donc, quand vous regardez ça, non pas froidement, mais quand vous regardez ça bien en face, comme parfois on peut regarder bien en face le fait que de toute façon, un jour, tous, on va mourir. Mais là, si on raisonne en tant qu'espèce, si on regarde la mort en face, ce qui n'est pas facile, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en bout de chaîne de ce mécanisme, il y a la quasi-extinction de l'espèce humaine. La quasi-extinction de l'espèce humaine et l'extinction de la quasi-totalité, ou en tout cas la présente majorité des espèces vivantes. Alors, et d'autres choses hein, qui aboutissent à ce résultat, la raréfaction des terres arables, la disparition des poissons du fait de l'acidification des mers, des guerres pour les ressources qui ont déjà commencé d'ailleurs, Moyen-Orient, etc., des millions de réfugiés, notamment climatiques, encore des millions de morts de faim et de pollution, bref. Et la mise en danger, j'insiste là-dessus pour que ça rende ce point, c'est pas la planète qui est en danger, c'est les espèces vivantes en général, avec une menace d'extinction, de quasi-extinction, pour être rigoureux et précis, de l'espèce humaine. Alors que faire ? Le capitalisme ne pose pas des problèmes, le capitalisme est le problème, premier point. Et deuxième point, il n'y a pas d'alternative à la sortie du capitalisme. Je vais être clair là-dessus. Il n'y a pas d'alternative, il faut sortir du capitalisme. On ne peut pas faire autrement. Nous devons déjà soumettre le pouvoir économique au pouvoir politique. L'économie est toujours dirigée. Hein. La question, c'est par qui ? Est-ce qu'elle est dirigée par les capitalistes ou est-ce qu'elle est dirigée par la démocratie ? Donc concrètement, l'économie doit être dirigée et non pas régulée, comme j'entends souvent, par le pouvoir politique grâce à l'investissement public, à la réglementation et à des grands services publics qui soient, pris ensemble, dominants dans l'économie. Pas subsidiaires, pas accompagnants, dominants. Le pouvoir politique doit être une démocratie semi-directe, parce que si c'est une démocratie parlementaire, vous allez retomber avec une oligarchie au niveau du Parlement. Donc, ça veut dire des référendums et des révocations quand on veut, ça veut dire un mandat impératif des élus, ça existe. À mon avis, les services publics, mais ça n'engage que moi, les services publics doivent eux-mêmes fonctionner de manière démocratique, comme des grandes coopératives avec à la fois des assemblées d'agents et des assemblées d'usagers. Et donc, ça se passera très différemment. Nous devons discipliner la finance et les riches. Je rentrerai dans les détails s'il y a des questions là-dessus ensuite, mais je passe ce point parce qu'il y a des points plus importants derrière, même si ça, c'est important. Parce qu'on vous connaissez a priori déjà ces sujets, on en parle beaucoup depuis quelques années. Nous devons remplacer la loi du marché par la planification écologique de l'économie. Objectif, sortir du pétrole, 100% d'énergie renouvelable et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, on dépense délibérément un pognon de dingue dans la recherche écologiste, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Je vois Thomas qui hoche bruyamment la tête, parce que là je suis dans ton domaine de compétence, en plus tu sais ça. On remplace l'agriculture industrielle et productiviste par une agriculture paysanne et écologiste. On sort progressivement du pétrole, à force d'en parler, il faudrait bien qu'on démarre un jour. On passe progressivement à 100% d'énergie renouvelable, ce que techniquement on ne sait pas encore faire, d'où la nécessité de la recherche. On passe progressivement au zéro déchet par l'interdiction de l'obsolescence programmée. Vous savez, ça tombe en panne, c'est fait exprès, vous êtes au courant. Ça finit par se voir. Hein. Et tendre vers le 100% recyclage, même si par définition le 100% recyclage n'est pas possible stricto sensu. À mon avis, il faut carrément interdire le matraquage publicitaire consumériste. Après tout, on a bien interdit la propagande totalitaire publique, alors pourquoi pas la propagande totalitaire privée, c'est-à-dire la publicité. On devrait aussi sortir, mais là, je précise, quand je vous dis ça, à mon avis, et quand je vous dis ça n'engage que moi, ça veut dire que ce n'est pas dans l'avenir en commun le programme de la France Insoumise en chemin. Et donc, à mon avis, il faut sortir, pour des raisons écologiques, il faut sortir progressivement de la production et de la consommation de viande. Pour des raisons écologiques, parce qu'il n'y a pas que les gaz à effet de serre produits par le transport, il n'y a pas que le processus de production, il y a aussi les gaz à effet de serre produits par l'activité intensive d'élevage. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête, et c'est possible,
Il n'y a pas que les protéines carnées dans la vie. Voilà. Nous devons remplacer le libre-échange, ça veut dire commerce international sauvage en français courant, par le protectionnisme social et écologiste. On met des barrières protectionnistes contre les importations dont le processus de production et l'acheminement sont écologiquement irresponsables. On met des barrières protectionnistes contre les importations dont les conditions de travail sont antisociales, ce qui veut dire que si le droit du travail de l'exportateur s'améliore, ben, on n'a plus besoin de mettre la barrière, il n'y a pas de problème, ça permet un commerce équitable. On remplace nos traités commerciaux inégaux avec les pays du Sud par des traités de commerce équitable. Je pense en particulier aux accords agricoles avec l'Afrique subsaharienne qui sont en train de leur bousiller leur agriculture vivrière en même temps qu'on privatise de manière sauvage leurs terres. Je pense par exemple au Mozambique, je ne vous donne pas le pourcentage des terres arables confisquées par les multinationales, vous ne me croyez pas. Le partage équitable des richesses, ça suppose notamment de se poser la question sérieusement du plafonnement des inégalités de salaire, de revenus et de patrimoine, ainsi qu'une réforme fiscale de redistribution des richesses. Parce que là, vous rentrez dans le dur, hein, on est d'accord. Et puisque j'en profite, la finance, en particulier, je ne fais pas long, il faut qu'on sorte de l'esclavage de la dette, qui est quand même le gros argument en ce moment. Et donc, une mesure simple et peu débattue, faire un moratoire sur les dettes d'État et sur les dettes privées, en particulier les ménages surendettés, les crédits à la consommation, c'est-à-dire les crédits de survie, pour pouvoir faire des audits éthiques sur ces dettes, afin d'effacer les dettes odieuses. Alors, vous voyez, si on met tout ça bout à bout, on n'est plus dans le capitalisme. Si. Non, on est dans l'économie sociale et solidaire, mais on n'est plus dans le capitalisme parce que... On n'est plus dans le capitalisme libéral. On n'est plus dans le capitalisme. On aura... Bah oui, on a fini par avoir des accords. On n'est plus dans le capitalisme parce qu'on a fait sauter le primat de l'économique sur la politique. Et c'était mon premier point, j'ai commencé par là. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, je sais. Je connais pas donc. Est-ce que vous savez réagir? Oui. Je vais réagir. Enfin, moi, je soutiens exactement ce que c'est le type de réforme et de capitalisme que je soutiens. Parce que ça reste du capitalisme. Non, c'est pas vrai. Non, je vais vous dire pourquoi. Mais non, en fait, là, on sortirait avec ça du capitalisme libéral. Parce qu'effectivement, allez, on réduirait la part des marchés financiers, on développerait un service public fort qui serait supérieur au secteur privé, mais le secteur privé existerait toujours. Les renouvelables, 100% de renouvelables, d'accord, allons-y. C'est génial, c'est mieux que maintenant, c'est pour ça que je prends ça. Mais en même temps, les renouvelables, c'est une consommation de matériaux précieux énorme. Si on regarde le cours de croissance de la population et qu'on y va, clairement, il y aurait, là, ce serait une forme de capitalisme, de vert, plutôt régulé, mais vert, tu vois. Et donc, on resterait, et encore une fois, il n'y a pas un mot sur la consommation, il n'y a pas un mot sur ces choses-là. Donc, on changerait, on verdirait le capitalisme, et moi, ça me va. Ce sera capitalisme. En fait, ce serait la même chose que ce qu'on a eu à l'après-guerre et qui me va. Parce que moi, on m'a interrogé là-dessus et c'est exactement ce qu'on a eu à l'après-guerre. Ce serait un capitalisme plus régulier, keynésien, plus social, avec une forme de service public, une économie mixte, respectée public-privé, avec une part du public qui gère tout ça, un état social, un état stratège, qui fait permettre la transition énergétique. Et on rajouterait à ça, ce qu'il n'y avait pas dans les 30 glorieuses parce que ça n'existait pas encore, la question climatique. Voilà, c'est tout. Environnemental contraint. Mais ça reste un capitalisme, ce serait une nouvelle forme du capitalisme. C'est ça qui est dingue. Et donc, voilà, sortir du... C'est pour ça que c'est simple de dire je sors du capitalisme. Non, c'est très compliqué en réalité. Sortir du capitalisme financier, ce serait déjà un défi énorme. On en serait là, on serait tous super heureux. Sérieusement, on aurait fait une avancée de malade. Vous voyez? Mais ça ne résoudrait pas tout un tas de problèmes quand même. Mais vraiment, même si de l'autre côté, la partie prenante la plus faible souffrirait moins. Parce que ce serait régulé, on ferait attention, elle aurait un salaire décent, elle gagnerait en termes de productivité ce qu'il faut, elle aurait un salaire qui augmenterait, elle aurait peut-être une semaine de vacances en plus, donc 6 semaines de vacances, ce serait génial pour tout le monde. Moi qui ai 6 mois de vacances en tant que prof, si j'avais que 6 semaines, je serais très triste, donc ceux qui ont 5 semaines, je les plains, et ceux qui ont 1 semaine aux États-Unis, je trouve ça horrible. Voilà. Donc on aurait un capitalisme plus supportable, et ça resterait dans les courbes de croissance de la production de marchandises du capitalisme, voilà, mais plus sympathique. Alors, ouais, on n'est pas d'accord là-dessus. Enfin, sur des détails, on n'est pas d'accord. Non, c'est sur des définitions, en fait. J'espère que... Alors, je ne sais pas, moi, ça me passionne, mais peut-être que c'est chiant. Il faut nous le dire, dans ce cas-là. On va bientôt passer aux questions. Je vous laisse réagir. D'accord, donc,
le fait de continuer dans des courbes productivistes et consuméristes, donc de continuer la courbe exponentielle dont tu parlais tout à l'heure, n'est pas possible dans une économie de planification écologique. Parce que tu mets des quotas à faire dépasser. Et donc, l'essence même du capitalisme, c'est-à-dire la maximisation du profit dans la surconsommation, la surproduction, est empêchée par le simple fait que tu es dans une économie de planification écologique et en plus par l'État. Premier point. Déjà, tu as ça que tu n'as pas, alors que c'est quand même une composante fondamentale du capitalisme, de pas empêcher ça. Deux, on a dans notre économie et dans d'autres pays, on a dans notre économie des dispositifs qui en fait seraient plutôt ceux d'une économie socialiste. Par exemple, des services publics. Vous voyez, dans certains domaines, on a des poches d'économie socialiste. Hein ? Des poches. Mais pourquoi on considère qu'on est quand même dans une économie capitaliste ? Parce que c'est l'économie capitaliste qui est dominante. Et donc, ce qui qualifie l'ensemble, c'est le type d'économie qui est dominante. Donc, est-ce que ce que j'ai préconisé est une économie mixte ? Oui, mais ce n'est pas une économie mixte. Mais puisque c'est les formes socialisées d'économie qui sont dominantes dans ce que je suis en train de décrire, en toute rigueur, me semble-t-il. Ce n'est pas une économie mixte capitaliste, c'est une économie mixte socialiste, dans laquelle il y a une part minoritaire d'économie de marché. Donc, finalement, ce n'est pas un débat que de définition, parce que... Donc la propriété privée est réduite. La propriété privée devient... Le secteur privé devient minoritaire. Et ça... Bon, finalement, ce n'est pas qu'un débat de définition. C'est que... On se retrouve donc dans... Si on appelle les choses par leur nom, on se retrouve dans une économie socialiste. Économie mixte, hein, entendez-moi bien. On ne va pas collectiviser vos chemises, hein, comme dirait David. Donc, on est dans une économie à dominante socialisée. Socialiste, ça fait peur, j'ai remarqué. Socialisé, ça veut dire exactement la même chose, mais les gens disent c'est doux, c'est gentil, c'est pareil. Bon, une économie mixte, socialisée et de planification écologiste. Dans écologiste, parce que écologique, c'est pas assez clair. Et donc, non, mais c'est vrai. Bon, c'est d'accord. Et dans le. Non, on se connaît le... Non, en plus, on est là. Si les débats pouvaient être, on va en dire. Oui, voilà, si on en est au stade. Mais est-ce qu'on est vraiment dans une économie sociale ? Ben oui, ben non, ben déjà, on y serait, ce serait bien. Voilà, j'ai fini, je vais parler. Non, mais j'ai une dernière question. Ouais. Vous avez parlé à plusieurs reprises de sortir du capitalisme. Ouais. Finalement, c'est quoi, sortir du capitalisme ? On va peut-être passer aux questions. En fait, juste pour... Je crois que c'était clair, mais ça consiste effectivement à passer d'une économie dans laquelle de plus en plus les formes socialisées sont résiduelles et l'économie capitaliste, l'économie de marché est dominante, à précisément le contraire. Donc, dans la mesure où on passe d'un système à son contraire, je pense qu'on sort du système précédent, ça me paraît clair. Alors, par contre, non, on n'en sort pas sous la forme, on collectivise tout, et il y a un État central bureaucratique qui dirige tout. Ça a déjà été essayé, et manifestement, ça ne marche pas. Alors, sur la sortie du capitalisme total, franchement, je l'ai vu ici, je n'ai pas la réponse. C'est ça qui est grave. Je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que même si... Enfin, moi, la première réponse, la première chose que je veux, c'est de sortir du capitalisme libéral. Ce que je veux ressemble à ce qu'a dit finalement Thomas, et que je vois comme encore une forme de capitalisme, parce qu'il y a une croissance de la marchandise, des productions, etc. D'ailleurs, même le programme de la France Insoumise hein, se base sur le taux de croissance d'un 5, 2%. Donc tu vois, c'est un programme plutôt keynésien. Enfin, en tous les cas, dans les cadrages que j'avais vus, fait par des économistes pour rien de parti, mais bon, je critique pas, j'aime pas critiquer la France Insoumise, mais c'est un programme... Lui, il est parti. Ouais, ouais, mais c'est un programme plutôt de relance, que je voyais, en façon, bon, plutôt de relance keynésienne. Sur lequel je ne suis pas contre. Donc ça, c'est une première chose. Et si on en était là, on serait déjà tous plus heureux en étant le moment présent. Mais sur le... Enfin, très rapidement, alors, je ne vais pas dire sur le moyen terme, c'est même plus rapidement sur le moyen terme, et peut-être un peu plus tard que le court terme, parce que dans le court terme, il y a des gens qui souffrent tous les jours, un peu plus. Il y a toute cette question de la demande de la contrainte environnementale. Et pour ça, on ne peut plus avoir même, ne serait-ce que 0,5 à 1% de croissance sur un siècle. On est mort. Vous voyez, de l'ère industrielle 1700 à nos jours, la population a été multipliée par 10. Le niveau de vie par 10. Imaginez-vous avec un taux de croissance moyen de 1,5. Ce n'est pas les taux de croissance de 5, 6%. Vous voyez. Imaginez-vous maintenant un taux de croissance, le même que nous avons aujourd'hui, d'1, 1%, 1,5. Sur un siècle,
on remultiplie la population par 10 et le niveau de vie par 10, we are dead. Thomas, juste là-dessus, sur la croissance économique qu'entraînerait l'application du programme de l'AFI. Juste une précision, tu te retrouves avec une croissance du PIB, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a les résultats du programme de planification écologique avec des grands travaux qui ensuite font s'écrouler les émissions de gaz à effet de serre. Donc ceci pour dire que tu te retrouves dans un cas où tu as une croissance, pardon, je ne veux pas être trop technique, mais c'est assez simple ceci dit. Tu te retrouves au sens strict de la définition du PIB avec une croissance du PIB, mais en réalité tu es en train d'entrer dans un déclin de la consommation des ressources. Oui. Voilà, c'est ça. Donc juste pour préciser, c'est pas comme il y a c'est pas de la vraie croissance au sens où on l'entend de l'accumulation, de l'augmentation de la consommation des ressources, puisque vous avez un point, vous avez un pic où là on est dans une politique de grands travaux vraiment, vraiment massive dans ce qu'on propose, qui est une politique de transition écologique totale de l'économie. Mais ensuite, par définition, vous vous retrouvez avec une baisse de la consommation des ressources. Et parce qu'il y a eu une baisse de la surproduction, de la surconsommation par le système économique lui-même, et donc notamment des émissions de gaz à effet de serre. Juste pour préciser, hein, parce que sinon ça paraît contradictoire. Oui, et puis alors, juste une chose à propos de cette question, mais c'est qu'il y a des biens qui nécessitent de la croissance, les renouvelables, on est largement en dessous de nos objectifs. Donc là, il faut de la croissance à trois chiffres. J'exagère. Et il y a d'autres choses qui n'ont plus besoin de croissance du tout, et il faut de la décroissance. Sur les ressources fossiles, vous savez qu'aujourd'hui, les réserves prouvées, celles qui sont accessibles, et bien on ne pourra en sortir que un tiers. Il faut que deux tiers restent sous terre. Deux tiers. Et vous avez des débats aujourd'hui, c'est pour ça que c'est des débats complètement climaticides, où on dit est-ce qu'on doit aller creuser l'Arctique ? Alors on n'a pas trouvé. Doit-on aller creuser l'Arctique ? Il y a trois ans, ici même en France, ils développaient, on débattait du gaz de schiste, du pétrole de schiste, alors que l'on sait qu'on doit laisser deux tiers de ce que l'on connaît déjà sous terre. Donc vous voyez, c'est complètement lunaire. Et là, effectivement, il faudrait une décroissance sur les énergies fossiles. Voilà, stop, j'arrête. Question. Oui, question. Merci beaucoup. Je m'appelle Samuel. Je reviens tout juste d'un pays scandinave, dans tout le sud Danemark. En l'occurrence, je vais me permettre d'être un petit peu plus mesuré sur la critique que vous avez pu faire du capitalisme en particulier. Vous avez parlé de capitalisme plus sympathique, plus social, plus vert. En l'occurrence, il y a des modèles alternatifs. Je ne demande pas de retourner le modèle actuel qui fonctionne, qui repose évidemment sur des acquis en termes de modèle syndical, et qui repose en contrepartie aussi sur des politiques sociales qui sont complètement différentes. Juste pour contextualiser un tout petit peu, la politique sociale repose sur trois vecteurs. D'abord, une politique d'activation, des politiques de flexibilité de leur marché de l'emploi, des politiques de politique sociale fortes de redistribution qui leur permettent d'avoir des inégalités assez réduites dans la société. Quel est le regard que vous portez sur ces modèles-là, en particulier, on pense peut-être sur la Norvège en particulier, qui base beaucoup son développement économique sur l'exploitation de ses ressources fossiles, mais peut-être plus spécifiquement sur le Danemark et la Suède, est-ce qu'on pourrait avoir votre regard ? Je vous remercie. Là, je laisse répondre. Moi, je ne connais pas trop. Vous savez, le président, il aime bien dire qu'il y a un programme de flexi-sécurité, même si on ne voit pas trop la sécurité. Mais bon, parce que la sécurité, vous savez, il va faire la sécurité en ouvrant des droits aux chômeurs, aux auto-entrepreneurs, aux démissionnaires, mais il économise en même temps sur l'assurance chômage 10 milliards. Donc il ouvre des nouveaux droits en faisant des économies. Donc c'est super, ça c'est vraiment la sécurité. Bon bref, écoutez, le Danemark c'est très bien, c'est un pays qui a des bons résultats, mais malgré tout, nous avons aussi des bons résultats, nous, ne l'oublions pas. Par exemple, nous avons les retraités les plus pauvres d'Europe. Enfin, les plus riches, pardon. Aujourd'hui, les retraités les moins pauvres d'Europe. Donc nos retraités sont plus riches que les Suédois et que les Danois. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Par un système de répartition, c'est quand même hallucinant. Nous avons le salaire médian, le revenu médian pardon, des retraités qui suit le revenu médian français. C'est hallucinant. Vous voyez, donc on a un système qui fonctionne bien.
on a une espérance de vie qui est un peu plus élevée que beaucoup d'autres pays, donc ça fonctionne très bien. Or là, Macron, alors qu'en plus notre système n'est pas déficitaire, Macron, parce que d'ici 2040, nous allons passer de 6 travailleurs, de 6 retraités pour 10 travailleurs à 7 retraités pour 10 travailleurs, il faut réformer le système de retraite. Donc, alors qu'on est passé de 3 retraités sur 10 salariés à 6 en 30 ans sans réformer le système de retraite. Bon, ben, donc il veut faire un système de retraite type suédois et danois. Ben là, on voit bien que depuis qu'ils ont ce système de retraite, il y a plus de retraites plus pauvres, il y a une grosse partie des retraites, la retraite à points, si vous voulez. 1 euro que vous mettez, vous avez 1 euro de retraite, donc c'est très bien. Alors, on ne tient pas compte, par exemple, des espérances de vie différentes d'un ouvrier d'un cadre qui sont de 7 ans. Donc, ça, c'est, voilà. Donc, ils font appel à des retraites complémentaires par capitalisation. Donc, les fonds d'assurance, vous savez, nos retraites, c'est 300 milliards d'argent qui fluctue. Donc, les fonds d'assurance sont en train de les regarder, ils sont très heureux d'en récupérer une petite partie. Et donc, ils sont passés à ça, et aujourd'hui, leurs retraités sont plus pauvres que les nôtres. Donc ça, vous n'attendez jamais ça. On a dit que nos retraités sont les plus pauvres, c'est faux. Nos retraités sont parmi les mieux lotis du monde. Ça, c'est la première chose. Et le système de flexisécurité, il est beaucoup moins violent que le système de flexibilité libérale type Royaume-Uni, type américain. Mais quoi qu'il en soit, vous avez, quelque part, une partie des gens qui ont été beaucoup plus pauvres. D'accord ? Alors, c'est un système qui est pas mal de réforme, mais c'est un système quand même qui a fait rentrer une partie de flexibilité avec de la formation, avec des syndicats, avec des discussions, tout ce que vous voulez, mais quand même qui, au final, a pesé sur une partie de la population. Donc moi, plutôt, je pense que le Danemark, c'est mieux que le Royaume-Uni, je pense pas que ça doit être le truc que l'on regarde comme ça. C'est mieux de le copier, vraiment, de le copier comme Macron le copie, parce qu'il ne le copie pas vraiment, il copie plus le système anglais que le système danois, mais grosso modo, notamment sur la retraite à points, type suédois, c'est une véritable connerie. Voilà. Et notre retraite à nous est bien plus juste que leur retraite à eux, et ça, il faudrait le dire. Je viens de checker pendant que mon camarade répondait. Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Islande, en moyenne, en fait, les pays scandinaves émettent davantage de gaz à effet de serre par habitant que les autres pays européens. Je te remercie. Et à l'heure actuelle, donc c'est pas moi qui le dis, c'est Eurostat. Et ensuite, sur l'idée qu'il y aurait un modèle social scandinave, et où en général on pense à la Suède, on peut parler de... Thomas a déjà parlé de la flexibilité, sécurité, c'est d'accord avec, je les partage. Mais en Suède, vous avez d'une part la réforme la plus destructrice à ma connaissance des services publics. Alors, je ne parle pas des privatisations, là je parle des réformes où on garde censément un service public, ça s'appelle l'agencification. C'est-à-dire qu'en fait, c'est censé rester un service public, mais en réalité, tous les agents passent au droit privé, et derrière, on vous traite à peu près comme dans une multinationale, en termes de cadence, en termes d'objectifs, d'objectifs quantitatifs, etc. etc. Ça commence déjà en France depuis quelques années, mais c'est rien à côté de ce que la Suède a fait à ses propres fonctionnaires par l'agencification. Donc je vous dis juste, il faut faire attention à la mythologie du modèle suédois en particulier, hein, je suis pas du modèle suédois, sur ce type de temps qui ont ceci dit été fait pour d'autres pays scandinaves. Sur la question sur la question de Danemark, déjà sur la question de flexibilité et sécurité, tu as déjà répondu. Et par ailleurs, monsieur, sur la question du proxénétisme, écoutez, moi, cette métaphore, je la trouve assez parlante. Voilà. Je m'appelle Eliott, moi je suis étudiant à la Sorbonne ici en philosophie politique. Et ma question va se référer à la sortie du capitalisme. Je veux juste partir d'un chiffre qui est qu'il n'y a que 25% dans ce pays qui se revendique de gauche. Je pense que dans cette amphithéâtre, on va être bien plus majoritaire. Donc je parlais d'ores et déjà des convaincus. Et je trouve qu'il y a eu une grande absente de vos discours respectifs, c'est l'école. Je pense que l'école est probablement d'ailleurs le premier miroir en fait, du capitalisme, dans la mesure où on entretient l'idée qu'il faudrait un diplôme pour ensuite avoir un emploi. Une hiérarchisation, une compétition, une concurrence, on fracture les jeunesses, on leur donne une inégalité face à l'accès de l'information, et c'est comme ça qu'on entretient ensuite, au final, le capitalisme. Donc la question que je voulais vous poser, c'est cette servitude volontaire ne viendrait-elle pas justement de l'école dans un premier temps, qui vient ensuite détruire en fait la société, encore une fois, par la fracture de la jeunesse? Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une sortie du capitalisme par la fin d'une usine à futur travailleur ou start-upper en le transformant d'abord en fabrique de la citoyenneté? Bravo.
peux la prendre, ça va. Je me lève parce que je suis assis depuis des mois. Sur l'école, donc. Comme on était sur le capitalisme, donc sur un débat dominant économique et politique, on n'a pas parlé de l'école. Excusez-moi. Comme on a fait un débat qui était dominant sur l'écologie, l'économie, on n'a effectivement pas parlé de l'école. Donc, en résumé sur la question de l'école, il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a le problème dans l'ensemble du cursus du secondaire jusqu'aux études supérieures pour ceux qui y ont accès. Il y a d'abord le problème de la façon d'enseigner l'économie. Dans le supérieur, vous êtes dans le fait que ceux qui sont sur une ligne de pensée économique qui n'est pas la pensée dominante, qui est une pensée critique, subissent depuis plusieurs années en fait ce qu'on peut qualifier de chasse aux sorcières. Mais vous n'imaginez pas la violence symbolique de ce qui leur arrive aux gens qui sont plus, en gros, sensibilité économiste atterrée. C'est épouvantable ce qui se passe. T'en es un, donc tu pourras témoigner éventuellement. Mais il y a le problème de la façon d'enseigner l'économie, c'est-à-dire que si on ne peut même plus avoir accès dans les structures éducatives à la façon de penser l'économie différemment, comment on pourra ne serait-ce qu'envisager des alternatives? Mais il y a pire. Il y a manifestement, c'est dangereux pour le système qu'un futur chômeur passe d'abord par des études de sociaux. Parce qu'il saura, parce que s'il fait de la sociologie, en tout cas de la sociologie dans les différents, dans les principales traditions françaises, il saura que ça n'est pas de sa faute. Il saura que ça n'est pas de sa faute. Quelqu'un peut entendre pas. Oui. Et donc, je pense vraiment que l'autre problème sur l'école, c'est effectivement ce que vous disiez, la transformation. C'est particulier, je suis conscient de l'endroit où je me trouve quand je vous dis ça. La transformation des universités dans leur mode de fonctionnement et de recrutement en école privée dans leur fonctionnement. Entendez-moi bien. La différence fondamentale entre le service public d'éducation, je parle pour le supérieur, on est d'accord, mais on pourrait le dire aussi pour les autres, entre le service public d'éducation et le service privé d'éducation. Le service public d'éducation, il sélectionne. Il sélectionne à la sortie. Il prend tout le monde à l'entrée, parce que c'est un service public, figurez-vous. Il prend tout le monde à l'entrée, et ensuite, au fil des années, il sélectionne si, ayant tous eu accès au même cours, vous validez pas. Bon, ça arrive. Le secteur privé, les cours sont d'un niveau, entendez-le. J'ai enseigné dans les deux systèmes. Je suis un. Les cours sont en réalité d'un niveau plus bas que ceux de la fac. Vous avez bien entendu. La prochaine fois que vous faites un complexe d'infériorité par rapport aux grandes écoles. Les cours des grandes écoles, pourquoi on dit grandes écoles d'ailleurs, les facs ne sont pas des grandes écoles. Bon bref. Les cours sont en réalité d'un niveau plus bas que ceux des facs, mais ils ont sélectionné à l'entrée, et ils se contentent de mettre un tampon de diplôme en sortant à des gens qui étaient déjà tous des premiers de la classe. C'est comme ça qu'ils font. Moralité, quand Parcoursup arrive avec son mode de fonctionnement et la logique même de la constitution des dossiers, c'est remplacer un service public d'éducation qui fonctionne sur on entre tous et après on sélectionne. C'est pas non à la sélection, c'est pas vrai. C'est non à la sélection, à l'entrée, sur le milieu social, par définition. On revient à la socio. Vous voyez ? Et c'est le fait de remplacer ça par la logique du privé, c'est-à-dire la sélection à l'entrée, et ensuite on ne fait que tamponner. Le fait que oui, tu étais en premier de la classe, tu es resté premier de la classe. Bravo les gars, super service public éducatif. S'ils ne peuvent entrer à la fac que les gens qui ont niveau, à quoi c'est, qui ont déjà le niveau, quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert la fac? Vous voyez, c'est absurde, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est prendre le problème à l'envers. Et donc effectivement, il y a un souci au niveau de l'État. On répondra en 10 minutes, juste une minute, parce que sinon, pas après, c'est à la question d'une minute. On va répondre en 10 minutes. Vraiment, ça, tout le monde pourra participer. Alors là, vraiment, encore une fois, on est dans le combat à deux niveaux. Un peu comme je dis pour le capitalisme. Quand tu vas avoir un ouvrier qui va faire son emploi, là, tu ne peux pas lui dire que ton emploi, c'est un emploi dégueu, il faut le changer, il va y passer, c'est très difficile. Donc on est dans un combat à deux niveaux. Moi, j'ai étudié dans un lycée banlieue, très pauvre, 93, à Grandel, etc. Et le moteur que l'accès aux biens de consommation a été pour moi, a été un moteur énorme dans les études. Vous voyez ? Et aujourd'hui, quand j'ai des étudiants, j'en sais qu'un peu bien ou ailleurs, la motivation qu'ils avaient, c'était la possibilité d'avoir accès aux biens de consommation, qu'ils n'ont pas eu. Donc ces gens-là,
Moi, je sais très bien que je l'ai vu pour moi. J'ai fait mes études pour avoir accès aux moyens de consommation, etc. Puis j'ai été à la Sorbonne, puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, bien que j'en fais partie quand même, comme tout le monde ici, c'est pour ça que j'ai pris la morale à personne, que c'était pas ça la finalité d'une vie. Vous voyez, il m'a fallu du temps. Vous m'auriez pris à 21 ans, j'étais un merdeux. Mais c'est vrai, j'étais un merdeux. Et ma motivation, c'était la consommation. Vraiment, les biens de consommation. Et je bossais pour avoir les biens de consommation que les autres, que je n'avais pas eu, que les autres, que mes collègues de la Courneuve n'avaient pas eu. Donc c'était un véritable moteur. Donc que dire à ces gens-là? Oui, il faut que l'école apprenne le bonheur. Alors qu'ils n'ont pas les biens de consommation qu'on leur donne à dire toute la journée avec des publicités 4 fois par jour, etc. Voilà. Donc c'est très difficile. Mais dans le fond, je suis d'accord avec toi. Il faut refonder une école qui ne soit pas basée sur la concurrence, une école qui ne soit pas faite pour que tu tournes employabilité auprès de l'entreprise et du capital. Licence pro à la fac, DESS avec stage, c'est comme une ça, il faut arrêter tout ça. La fac, c'est un lieu de savoir. D'accord? Ça, il faut le dire, ça veut savoir qui forme des intellectuels, ne forme pas des mecs clés en main. Les écoles de commerce, c'était leur boulot. Mais la fac, c'est un lieu de savoir. D'accord? Et la fac, non mais c'est vrai, et la fac, encore une fois, l'erreur de la fac, c'est qu'elle a accepté les termes du débat. Elle a accepté, par exemple, de se faire concurrencer par les écoles de commerce en leur donnant des accréditations. Elle a accepté, par exemple, le Sciences Po Paris parce qu'on compte d'avocat. Non, parce qu'on compte d'avocat, t'as plus du droit à la fac, c'est tout, mon pote. La question, toi, tu reprends la fac comme tout le monde. Tu vas, et là, bientôt, elle est en train de brader ses doctorats. Tu vas pouvoir passer, tu peux passer doctorat à Sciences Po déjà, qui sont cette histoire. Bientôt, elle est encore agissée. Bon, bonne conversation. Non, mais, tu te calmes. Doctorat, je devrais donner qu'à l'université. Non, je déconne, il a raison. Voilà, c'est la réalité. Donc, si tu commences à brader tes propres diplômes, t'étonnes pas qu'après, tu vois, il te reste plus rien. Donc là, c'est un vrai problème. Soit que la fac, elle est. Donc voilà. C'est tout. Je m'appelle Elena, je suis moitié anglaise, moitié russe, et je mentionne ça que parce que mon père est né en Union soviétique, qui était le paradis des ouvriers, de toute façon. Et bien, c'était le système du capitalisme qui lui a permis de s'épanouir, et beaucoup d'autres qui viennent de l'Union, de l'ancienne Union soviétique d'ailleurs. Et donc, ma question est effectivement, pourquoi avec cette du capitalisme de diable? Parce qu'en effet, c'était le capitalisme qui a permis d'acquérir de la richesse. Je tiens à prendre ça. Madame. Vous êtes à moitié russe, en vous-même, je vais dire. Moi, je suis russe par alliance. Mon épouse est russe, figure. Et le capitalisme qui a sauvé la Russie, c'est pas l'histoire qu'elle m'a racontée. Donc peut-être avez-vous un récit différent, je le respecte. Je vous apporterai juste le sien. Le passage à l'économie capitaliste a été un pillage des ressources de la Russie. Un pillage par... une poignée de gens qu'on appelle d'ailleurs explicitement chez vous, et je suis content que dans votre pays, madame, qui est un peu par alliance le mien, on les appelle explicitement comme ça, il a été pillé par des oligarques, d'où d'ailleurs un film que vous avez sans doute vu, qui s'appelle Oligarque et qui parle de ce phénomène-là. Et sans même parler de la spectaculaire corruption à laquelle on assiste dans ce système économique-là, et par ailleurs, quand vous voyez le niveau stupéfiant de misère de toute une partie de la population pendant que vous avez une fine couche qui elle vit dans une opulence absolument indécente. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est un système qui a sauvé la Russie. Et j'ajouterais, pour avoir une affection particulière dont je vous ai expliqué les raisons, pour ce pays, pour sa population, pour son peuple, pas la population plus individuellement, mais pour son peuple, pour sa culture, pour sa littérature en particulier. Immense littérature, vraiment. Si vous ne connaissez pas, commencez. Je pense vraiment que le peuple russe ne méritait pas ce capitalisme-là, vraiment, de se voir infliger ça. C'est ce qui s'est passé pour une minorité, j'ignore si vous en faites partie, je ne fais aucun procès d'intention. Pour une minorité qui a accédé au statut de classe moyenne et à un certain confort, je ne conteste pas, il faut bien comprendre que ça s'est fait sur le dos
des autres. Et ça, c'est prodigieusement dégueulasse, mais c'est malheureusement pas particulier à la Russie. Voilà, ça c'est juste ma réponse, c'est de dire le capitalisme sauve la Russie, non. Non. Mais pour la deuxième partie, parce que mon père, effectivement, il a déménagé en Angleterre en 90. Mmh. Effectivement, selon ces règles-là, donc d'exploitation surtout, il n'aurait pas dû réussir. Il aurait dû faire l'inverse, échouer. Mais il a fait quand même. En fait, il faut bien comprendre que le confort des uns n'est pas une trajectoire exceptionnelle méritante. Dans l'abstrait, le surcroît exceptionnel de confort des uns repose sur un système qui prévoit intrinsèquement l'écrasement des autres, et ça va jusqu'à des millions de morts de faim si vous raisonnez au global. Et donc, ça ne disqualifie pas la réussite professionnelle personnelle de votre père, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas extrapoler à ce qu'on souhaite pour l'ensemble la réussite littéralement statistiquement exceptionnel de quelques-uns. Et j'ajoute que les niveaux de confort où nous sommes en France, y compris les gens qui sont dans les classes moyennes inférieures ou dans les classes populaires, quand on raisonne au global, ça, c'est impossible à entendre, je le sais, mais à l'échelle de la population mondiale, on est encore dans des catégories privilégiées, même si on prend la quasi-totalité de la population française, pas parce qu'ils vont bien, mais tellement le niveau de misère et d'affamement est grave. Vous voyez ? Donc, le fait qu'il y ait une personne qui s'en sorte bien ne justifie pas que pendant ce temps-là, il y ait des millions de personnes qui littéralement meurent de faim. C'est pas possible. Vous voyez ? C'est ça que je veux dire. Bon, moi, je dirais juste une chose. Le communisme était une horreur. Disons, non, mais attendez, il faut arrêter de. Le communisme, le faux plan, était une véritable horreur. Mais la thérapie de choc, comme elle a été faite en Russie et dans les pays d'Est, ça a été une thérapie de choc. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un passage progressif d'une économie planifiée et d'une économie libérale. On a fait une thérapie de choc. Eh ben, ça a été supporté par une grosse partie de la population qui, sous le communisme, avait quand même un petit filet de sécurité, c'est-à-dire un peu à manger, un peu de pension de retraite, un peu de machin, et qui a subi cet ajustement qui a été extrêmement violent. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Chine a voulu le faire, bien qu'elle le fait aussi violemment, elle a voulu le faire plus progressive en ouvrant des zones étatiques aux capitalistes. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, cette transition extrêmement violente qui a été violente pour une grosse partie de la Russie, ce qui était avant, et moins d'être la merveille du monde. D'ailleurs, les premiers, enfin, là aussi, je me souviens dans l'histoire, le premier mec, comme Camus, qui ont dénoncé ça, se sont fait exclure du PC parce qu'il fallait dire que c'était génial. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas dire ça. Ben, je sais qu'on ne personne n'est là-dedans. Le système soviétique était un système qui est horrible, clairement. Bonsoir, je m'appelle Michael. En fait, je vous à chaque fois on aborde le sujet, on dit « mais on ne va pas au-delà ». Est-ce que ça pose pas la question de quel est le but de la vie, en fait, pour faire. Si c'est pour consommer, bah, on va faire du capitalisme, du capitalisme. Si c'est pour jouir tout le temps, l'hédonisme, etc., bah, ça donnera d'autres formes de capitalisme à chaque fois successives, mais et qui vont aboutir à l'extinction de masse de la planète. Mais est-ce que, vu qu'il y a des personnes jeunes, étudiantes ici, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de « en fait, on ne peut pas faire ». Si on joue à la console, on va faire le capitalisme à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas élever peut-être le débat sans le critiquer ? Non mais pour dissiper un malentendu, de manière générale, quand quelqu'un dit qu'il faut qu'il l'invite à élever le débat, il n'est pas en train de dire implicitement que tout ce que les autres ont dit avant, c'est de la merde. C'est cadeau. Non, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez présenté, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la issue de chou, en fait, ça va pas arriver nous, on va pas élever la conscience, c'est-à-dire on vit pour continuer. Alors, on revient sur la philosophie qui était introduite tout à l'heure. On va poser une question comme ça, on va faire un peu dans le. Ok, je viens. Que des hommes. Non, il faut une part. Je m'appelle Chloé, je suis en master de journalisme et j'ai une question purement factuelle. Est-ce que je pourrais avoir le pourcentage des terres qui ont été rachetées par des firmes transnationales aux Mozambique?
17%. Combien? De mémoire, c'est 17. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que maintenant, c'est ça qui est la propriété directe des multinationales. Et c'est autant qui est retiré pour la population qui a besoin de bouffer. Mais, on a le droit de passer si bien. Bon, c'est pas la question justifiée. Bon, c'est dans le chapitre Les bannis de l'économie monde, dans le bouquin de la mondialisation malheureuse. À un moment, je parle explicitement du Mozambique. Voilà. Et vous aurez le chiffre et la source. Voilà. On va prendre une troisième question, donc la réponse est un petit peu lapidaire. Enfin, la question s'y prêtait, hein, c'est pas... Bien sûr, j'ai répondu. Monsieur en bleu. Oui. À droite. Oui. D'accord. Parfait. Alors, moi, je voudrais partir donc, d'un exemple qui m'a changé tout à l'heure. C'est un exemple des Trente Glorieuses. Et là, moi, un paradoxe, en niveau de la France italienne, c'est qu'en fait, on se rend compte que les Trente Glorieuses sont une période extrêmement rare pour l'histoire de l'économie. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on a des taux de croissance exceptionnels. En fait, c'est plutôt croissance qui est due par un rattrapage sur les États-Unis, notamment en Europe. Et donc, moi, ce que je comprends pas, c'est que, en fait, vouloir revenir à un capitalisme sympathique, comme vous appelez, c'est-à-dire capitalisme au moment des Trente Glorieuses, ça ne me semble pas adéquat à la période d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous l'avez dit, aujourd'hui, avec la dégradation environnementale, on ne peut pas prétendre avoir des taux de croissance aussi élevés. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas pousser le raisonnement plus loin et dire que finalement, avec la dégradation de l'environnement, la machine et le beau raisonnement keynésien qui a peut-être marché, très bien marché d'ailleurs, pour sortir de la crise de 29, et qui a pu marcher pendant les Trente Glorieuses, n'est plus adapté aujourd'hui, de par le fait que, bien sûr, on ne peut plus avoir des taux de croissance aussi forts, et puis parce que, on est dans un cadre d'économie organisée où, avec des déterminations dues à l'investissement public à un certain endroit, eh bien, on vend en 80, on peut rentrer ça à relance économique, ça ne marche pas parce que dans un cadre d'économie mondiale, il a fait 2 ans. Oui, d'accord. Mais bref, est-ce que la question. C'est 2 ans, 1 an après. Attends, c'est déjà un escrocine. Est-ce que finalement. La priorité aujourd'hui, c'est pas d'essayer de changer de modèle et de sortir de choses qui n'ont plus marché à un moment, mais qui seraient plus adaptées à notre modèle actuel. Très bien. Bon, je vais répondre. Vas-y. Alors, la première chose, là, je rejoins Federico Maginole hein, sur le modèle 30 glorieuses style relance. Oui, mais pas n'importe comment. Enfin, on va pas relancer la production d'essence. Vous avez compris. C'est vraiment de l'investissement public orienté sur la transition énergétique. Donc là, il y a des secteurs demande clairement de la relance. Je vous donne un exemple. Vous voyez ici, là, c'est une passoire énergétique. C'est une passoire énergétique. Comme à peu près 25 millions d'habitations. Il y a 32 millions d'habitations à peu près en France. Vous en avez 6 millions aux normes des meilleurs. Le reste, on patauge entre la grosse passoire, où là, c'est la fenêtre ouverte quasiment, et les choses un peu comme ça, en moyenne. Tu vois ? Là, on sait que les bâtiments, c'est 44% de la consommation d'énergie, 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça contribue très fortement au réchauffement climatique. OK ? Surtout l'hiver. Donc là, vous vous dites, bon, voilà, on a un plan. Rénovons les habitations. Et quand on ne veut pas faire d'investissement public, parce qu'il y a la dette, parce qu'il y a les déficits, blablabla, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des incitations, crédit d'impôt. C'est-à-dire qu'un pauvre, qui est dans une passoire énergétique, il doit faire comme moi. Moi, j'ai déboursé pour refaire 3 fenêtres sur 5 chez moi. 10 000 balles. 10 000 balles, je veux dire, moi, je suis pas tout de suite, donc je suis ce qu'on appelle aller en haut du panier. Ça m'a quand même fait mal. 10 000 balles, vous faites le chèque. Après, vous avez un an et demi après un crédit d'impôt où on rembourse une partie, hein, quand même pratiquement la moitié qui est importante. Mais sur le moment, vous déboursez 10 000 balles. Et là, on dit à un mec qui gagne 1 200 euros, débourse 10 000 balles, et tu vas économiser tant d'énergie sur 10 ans, et tu vas contribuer à baisser les émissions de CO2 pour lutter contre le changement climatique. C'est pas cette blague. On va arrêter. Et là, ce qui est très marrant, c'est que Macron, il se dit, nous allons changer ça. Ce ne sera plus un crédit d'impôt, ce sera plutôt un truc au départ, une incitation. Mais on reste dans le même système. C'est-à-dire que tu débourseras plus 10 000, mais 8 000. Ah, super, bravo. Alors c'est bien, oui, super. Pour moi, c'est bien, j'aurais été content de débourser que 8 000 et pas 10 000 dès le début. Mais c'est complètement idiot. 8 000 pour quelqu'un qui a 1 200 euros, c'est la même chose que 10 000.
Donc là, vous vous dites pourquoi on ne fait pas d'investissement public. Le secteur privé ne peut pas y aller, les incitations ne suffisent pas, il faut que la force publique prenne ça en main, c'est une utilité. Donc là, il faut un plan de relance type keynésien, il faut quelque chose d'utile. Ça, c'est la première des choses. Enfin, changer le système, bah oui, moi j'attends que ça. Mais comment? C'est la vraie question. C'est vrai, c'est la vraie question. On peut penser au modèle soviétique, moi je ne crois pas. C'est vrai. Donc c'est très difficile. On peut penser à vivre comme dans une ZAD, mis debout, s'éclater entre nous. C'est très difficile. Ben voilà. Donc on peut expérimenter des choses tous ensemble et on peut le faire dès ce soir si vous voulez. Hein. Enfin, c'est pas mal. Mais c'est quelque chose quand même de difficile. Donc si on avait la solution, je pense que voilà, on est déjà prêt. J'enchaîne, je suppose. Alors, je vais commencer par la question la plus facile, celle sur les 30 glorieuses, parce que il y en a qui rigolaient tout à l'heure, mais la question sur le sens de la vie me semble plus dure, en réalité, là-dessus. Mais je vais répondre. Sur la recherche du modèle des 30 glorieuses, j'ai pas proposé, en ce qui me concerne, je suis en train de vous répondre, en fait. Voilà. Non, mais je vous en prie. C'est pas contre vous, c'est juste pour vous. Donc, j'ai pas préconisé de revenir au modèle des 30 glorieuses. Hein. Notamment parce que le moteur fondamental, c'est assez peu connu, c'est dommage, mais le moteur fondamental des 30 glorieuses est une situation démographique bien particulière. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en France en tout cas, vous avez le baby-boom. Bien. Et puis ensuite, je fais le résumé parce que sinon c'est trop long. Donc je simplifie, hein, pour ceux qui ont des connaissances en démographie, je vais super simplifier, hein, parce que sinon c'est une demi-heure. Et ensuite, au moment où les enfants du baby-boom arrivent en âge de se procréer, en fait, ils ont ça également, à ce moment-là, vous avez deux facteurs fondamentaux, la massification, la progression spectaculaire du niveau d'éducation des femmes, et la légalisation et le début de diffusion des méthodes contraceptives. Or, il y a une constante, quand les femmes et le début de l'entrée des femmes, vraiment de manière significative, sur du retour en réalité historiquement par rapport à d'autres périodes, du retour massif des femmes sur le marché du travail. Enfin, marché du travail, ça n'existait pas, mais bon, je simplifie encore une fois. Et donc, or, quand vous avez des femmes qui sont, je parle aux mecs, si vous avez des femmes à vos côtés qui sont éduquées, qui ont leur propre boulot et qui ont accès aux contraceptifs librement, bah en fait, la principale conséquence, c'est qu'elles vous obéissent plus, ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, parce qu'elles sont émancipées par l'éducation, par les sources de revenus et par la libre disposition de leur corps du point de vue sexuel. Et donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, vous vous retrouvez avec une situation où il y a eu, du fait des femmes, parce qu'elles ont fait ce choix, et pour mieux d'ailleurs, une baisse très significative du nombre d'enfants. Et donc vous êtes passé de Seconde Guerre mondiale, peu de grands-parents, les actifs et beaucoup de gosses, à, quelques temps plus tard, beaucoup plus d'actifs qu'il y a de grands-parents. Et ils ont fait moins d'enfants donc. Je tords le truc, je simplifie encore une fois, ça donne une évolution vers un losange, ça ne donne pas un losange, hein, mais ça donne une évolution vers un losange. Résultat, votre reste à consommer, une fois que vous avez entretenu par la socialisation ou par vos propres dépenses privées, une fois que vous avez entretenu les vieux et les gamins, qui sont les deux catégories d'inactifs, votre reste à consommer d'un coup est beaucoup plus important que pour les générations précédentes. Et là, vous avez le moteur de consommation de croissance consumériste, j'en conviens, des 30 glorieuses. Le moteur fondamental, c'était celui-là. Donc ça ne reviendra pas, a priori. Premier point. Deuxième point, je n'ai pas proposé au sens strict le modèle keynésien, parce qu'au sens strict de la science économique, vous évoquiez la science économique à l'instant, le modèle de relance keynésienne de l'économie, c'est les grands travaux, la consommation des ménages et la baisse des impôts pour stimuler l'investissement. Bon. Stricto sensu, il n'y a pas dans la relance keynésienne le fait d'y aller à fond les ballons sur une économie dominée par les services publics. Ça, c'est pas Keynes. Vous voyez ? C'est pas ça, moi, que j'ai proposé. Moi, j'ai proposé une économie mixte à dominante socialiste et non pas capitaliste, assortie d'un fonctionnement en planification écologiste. Donc, on ne parle pas des mêmes choses.
Il y a des points communs, je vous l'accorde. Notamment, les grands travaux de transition écologique, on est d'accord, c'est une version écologiste d'une énorme relance keynésienne par les grands travaux. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas le seul point de ce que j'ai exposé tout à l'heure, vous m'accorderez. Ensuite, une relance ne peut pas marcher, enfin, avec politique de grands travaux, ne peut pas marcher parce que, qu'on fait relance Mauroy au début des années 80, en économie ouverte, ça ne marche pas. Je suis d'accord avec vous, et c'est bien pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de protectionnisme. Sans protectionnisme, le système que je vous décris ne peut pas marcher. Mais un protectionniste, pas sur des critères purement cocardiers, mais un protectionnisme, je le disais tout à l'heure, sur les critères de conditions sociales, en l'occurrence antisociales, et écologiques, en l'occurrence anti-écologiques, de production, de transport, etc. Voilà. Sur la question du sens de la vie, je vais faire court, hein, je vous assure. Chacun fait comme il veut. Je vous donne juste comment moi j'ai résolu la question pour ma part. Je suis existentialiste sartrien, ce qui signifie que je considère que tout être humain doit se considérer responsable du sort de l'humanité tout entière. C'est d'ailleurs la raison philosophique de mon engagement politique. Et c'est le premier aspect. Et j'ai pris un petit bout du stoïcisme, parce que quand vous êtes dans ce type d'engagement, c'est très très difficile à vivre, sur plein d'aspects. Notamment, il y a un côté sisyphe, si vous voulez, donc c'est un peu fatigant. Et donc j'ai pris un bout du stoïcisme, c'est-à-dire que dans la morale des stoïciens, il y a un élément fondamental qui est d'apprendre à faire la distinction entre les choses que tu peux changer et les choses que tu ne peux pas changer. Et donc il y a beaucoup de choses qui me rendent fou de rage, mais que je gère plus calmement, puisque je fais la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Et donc, mais le moteur fondamental reste l'existentialisme sartrien. Pas camusien, parce que j'aurais beaucoup à dire de négatif sur Camus, mais c'est un autre débat. Merci beaucoup.